Tuyau de Guedin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. Ouais, c'est ça. Ok, j'accepte. C'est cool. Hé, tu vas pas le regretter. Oh. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Je ne voulais pas être désagréable. Ah, waouh. T'as même un programme d'excuses en mode faux derche. Eh ben, ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein? Et voilà. Merci, Gary. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Tu vois? Votre repas contient 1,4 fois l'apport journalier recommandé en calories et 2 fois celui en cholestérol. Vous ne devriez pas manger ça. On doit tous mourir de quelque chose, non? Vous mangez souvent ici? Presque toujours. Gary fait les meilleurs burgers de Détroit. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions. Mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. T'as déjà eu affaire à des déviants? Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi.
Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus ? Je pense que travailler avec un agent ayant des problèmes personnels ne facilite pas les choses. Mais m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions. On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture, en cas de besoin. Hey, Connor ! T'as les batteries à plat ou quoi ? Excusez-moi. Je remplissais un rapport pour CyberLife. Ah. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur ? Non. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars ? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Hein ? Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait... vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête, à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. Il y a quelqu'un ? Police de Détroit, ouvrez ! Reste derrière moi. D'accord. Mais c'est quoi ce bordel ? Ah, c'est pas vrai, ça pue ici ! Ah. On s'est déplacé pour rien. Notre homme a fini. T'as trouvé un truc ? Je ne sais pas. On dirait un carnet, mais il est indéchiffrable. Ah. RT. Sans doute des initiales. Il a mis ses initiales sur sa veste. Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo. Le permis de conduire est un faux. Cool, au moins on sera pas venu là pour rien. Tu sais ce que ça veut dire ? Era 9.
écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle ? On dirait des genres de labyrinthes. Je déteste ces trucs! Il y a sa diode dans l'évier! J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. Le seul débile à garder ses vieilles.
Je t'en supplie. J'ai rien fait de mal. Tout ce que je veux, c'est être libre. Tu sais ce qu'ils me feront si tu m'arrêtes. Modèle 874-004-961. De graves défaillances ont été détectées dans ton logiciel, dont des erreurs de classe 4. En tant qu'unité défectueuse, tu seras renvoyé à CyberLife pour désactivation. Toi, tu bouges pas, pigé ? Espèce d'enflure ! T'as vu que j'allais tomber, mais t'as préféré me laisser plutôt que de foirer ta mission ! Je devais faire un choix. Il m'avait semblé que... C'est quoi pour toi ? Une statistique ? Un 1 ou un 0 dans ton programme de merde ? Hein ? C'est comme ça que tu les vois, les humains ? Putain ! Je comprends votre colère. Mon évaluation ne prenait... Ton évaluation, tu peux te la mettre où je pense. Viens. Pourquoi tu fais ça? C'est bon. T'es là de la ferme. Tu aides les humains. Mais en fait, t'es leur esclave. J'ai dit la ferme. Ok. Amène-toi. R9, sauve-moi. Oh putain! Merde. Connerie d'androïde.